Bonjour à tous, aujourd'hui on retourne Bois des Rêves, comme ça je rentre pas trop tard à la maison. On était venu il y a 2 semaines, Emilien c'était son grand retour après 1 an, et il a craqué pour un électrique, et donc on vient tester ça ici. Il l'a déjà testé semaine passée, mais je vous montre tout ça. Laquelle ? Mais elles sont toutes petites, comme Stephen. SP3. Ah ah, pas, 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 pas. Oh, Emile. Allez, il y a quelque chose qui touche. Kix, il stresse un peu là, je vois. Et quoi, vous vous traînez? Je la connais celle-là. Mais putain de merde, je le suis comme un abruti. Il faut quoi là? Et vous faites quoi? Ah ouais, t'en sens la pointe là. Oh, ça glisse. Ah bah y'a Kix non plus. Oh. Oh. Hop, 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 hop
bonjour. Putain, quel piquant! Faut monter en pédalant. Ah ouais, c'est facile. Il n'y a pas de soucis. Mais bonjour, ça va? Tout ouais, va toi. Bien? Je pars. Allez, 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 allez! Ah. Ouais, pas de soucis, mec! Allez! Oh putain! Oui, je vois ça. Sors-toi les doigts du... Mon Dieu!
Bonjour, bonjour. Je t'ai vu dans le... Oula. Yeah! Joie qu'il est! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Filmer avec 3 GoPros, c'est trop un travail de dingue au montage. Mais bon, j'aime bien faire des beaux montages, donc voilà. Et pourquoi ce titre? Stéphane m'a envoyé une petite vidéo, je vous la mets juste après. Oui, il vous explique tout en détail. J'espère juste qu'on va trouver une solution et qu'il pourra revenir vite, mais c'est compliqué. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut les abonnés de Nico. Bon, je viens vous parler. En fait, dans certaines séquences que vous avez vues avant, mon vélo faisait un bruit bizarre. Enfin, mon vélo. En fait, si vous me situez pas vraiment, je suis le mec qui tombe souvent, qui fait souvent des stoppies et qui est toujours en drift. On me voit souvent en bois derrière, etc. Mais, en fait, mon vélo faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et au fur et à mesure de la journée, mon pédalier commençait à vraiment prendre un jeu énorme, mais un truc de dingue. Et j'étais en mode, waouh, c'est chelou, mais bon... Je vais quand même rouler. En plus, il y a mon pédalier qui venait toucher ma roue. Donc du coup, j'ai dû faire une modification vers l'après-midi. Et donc c'est pour ça que dans certaines séquences, quand j'accélère, on entend comme une bruit de moto. Là, pour au final, voir que mon cadre est fissuré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je crois qu'on le voit bien. Toute la partie là et là. Mais le petit père, il avait 6 ans, donc il en a mangé dans la gueule. le problème, c'est que je sais pas si je vais le remplacer. Car je suis étudiant, donc débourser 3000 euros en occasion et on va dire 3500, 4000 en neuf en étudiant, c'est quand même chaud. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous allez me revoir dans les vidéos de chez Nico. Peut-être dans 1 an, 2 ans. Enfin, salut les gars, à la prochaine.